أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout grandier, tout remerciement pour Allah subhanahu wa ta'ala qui peut verse faveur lorsque c'est lui qui l'y voulait pour étudier certains bons concepts. Certains bons concepts qui, quand un musulman, un mu'min, les étudie, par l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça peut faire l'effet dans son ibadat pour qu'il y ait un progrès, et ça peut faire l'effet l'oli et dans son ibadat pour ne pas faire quelque chose qui Allah fin défend. Titre qui nous est là, pour quelques minutes qui nous est là devant nous, chers frères et sœurs, c'est shirk et kufr. Souvent, des fois, nous tendons à dire shirk, shirk, shirk. Mais c'est quoi ça, shirk? Nous guettons cette définition, ensuite nous guettons cette gravité. Après, très bref, nous guettons un petit guide concernant type qui qualité shirk ena. Mais avant qu'il nous rentre dans ce sujet-là, nous faisons un petit rappel, toujours, chers frères et sœurs, ce qui concept veut dire, si nous définissons, une notion, une idée générale concernant ce thème qui nous peut traiter là. Parce que si il y en a pour cause le shirk et si il y en a pour cause le kufr, mais trop beaucoup il y en a. C'est-à-dire, plus qu'il y ait 3, 4, 5 sessions, il faudrait s'expliquer, causer. Il est trop vaste, il est trop en détail. La cause, ça qui nous donne un petit aperçu, le shirk et kufr. Et juste pour qu'assommer, nous pour essayer de guetter ce pas de temps ensemble avec nous quand nous pouvons causer. Et à la fin, nous pouvons guetter une écoute si vous comprenez ce que nous expliquons par une révision, ce qui nous peut dire à propos explication shirk et kufr, inshallah. Donc, pour commencer, le mot shirk est sorti dans trois alphabets radicales sous forme shin, ra avec kaf. Parmi les alphabets arabes, il est sorti dans ce bon alphabet-là shin, ra et kaf. Mais qui fait nous apprendre shirk? Qui fait nous apprendre shirk et kufr? Nous avons une réponse qui vient après.
Shin ra kaf, ça trois alphabet là, Ibn Faris. Un point ben savant dit dire, Shin wa ra wa kaf aslan, ahaduhuma yadullu ala muqaranati wa khilaf al infirad. Il dit que Shin ra kaf trois lettres qui veut dire reste ensemble. Et paraissent un seul. Faudrait qu'il y ait ensemble. Ça littéral. Quant à définition islamique qui nous dit dans Dîn Islam, c'est quoi shirk? C'est simple. Mettre une petite chose associée avec Allah Ta'ala. Mettre une petite chose associée avec Rabbul Alami. C'est même qu'il est le contraire de l'unicité d'Allah. Quand nous dit Allah li en, les contraires en là, nous associer en l'autre avec Allah Ta'ala. La livin shirk. Qu'est-ce que gravité? Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son Luqman, Inna shirk la zulmun azim. Un bon conseil que Luqman lui donne à ce garçon. Tout papa vous le dit bien pour ses enfants. Tout papa vous le dit bien pour ses enfants. Quand il s'agit du bien concernant Dunia, pour dire, travaille bien. Et dans le résultat, si, et si, tu as besoin de faire l'université. Tu as besoin de venir un homme, dis bien pour te soigner une madame. Tu as besoin. Mais qui s'en a parmi les papas qui gagne tracas? Attention, les enfants-là, ça y est, ils déraillent par une fraction de seconde, par perdre patience, ils commettent un péché qui est impardonnable si arrivé les films morts. Ça, Luqman. Luqman lui dit conseil à ses enfants. Lui, il les dit bien pour les enfants-là. Nous, papa, qui a combien de conseils m'ont dit à ces enfants-là, parmi les conseils-là. Est-ce qu'ils m'ont dit, bêta, tu connais certainement shirk, la zulmun azim. Plus grand dito, plus grand zulum, ça. En d'autres mots, plus gros péché, ça. Prends précaution. Pas tomber là-dedans. Pas faire aucun moyen qui m'avait une toi là-bas. Et dans Surah Al-Ma'ida, ce qui est plus grave, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit Innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-jannah. Qu'Allah protège nous. Certainement, c'est lui qui est associé avec Allah ta'ala. Faqad harrama Allahu alayhi al-jannah. Allah ta'ala fin fait jannat haram pour lui. Quel est grave ça? Haram, jannat fin fait haram pour un dimoun qui est associé, il fait shirk. Condamné ça. Pena bribe, pena get avocat, pena backing, pena ministre n'en yé. Haram le un dimoun qui est associé avec Allah ta'ala. Qui est quelque chose qui est haram pour lui? Ce qui bien-être paradis. Qui est grave, les graves. Et nous connaissons très bien le paradis qui est là. Et dans tout quelque chose qui nous désirait, pas un erreur, shirk, lui fait vivre un haram, le paradis, pas pour rentrer. Qui est arrivé, quand il peut aller, s'il peut rentrer dans le paradis, quoi nous dire, soit garçon, soit t'y fille. Si tu vas rentrer dans le paradis, définitivement, Allah Ta'ala continue de dire Wa ma'wahu an-nar. Et se place l'enfer. Diffé. Se place diffé. Attention, pas ça diffé qui nous servit dans la caserne. Pas ça diffé qui nous couille Briani là, non. Diffé qui est 70 fois plus faux que ce qui nous servit dans la terre. Comme Rasulullah. Sallallahu alayhi wa sallam fait connaître le hadith et dit Narukum, juz'un min sab'ina, juz'un min nar jahannam. Je dis fait, l'en le 70, c'est qu'il y en a dans l'enfer. Yara, protège nos familles, protège nos ban khandan qui peuvent venir après, quand certainement, si tant, les temps peuvent avancer dans la technologie, comme ça, Dimoun peut avancer dans le pays connaissance digne, dans le comète erreur. Wallah, protège nous tout. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارَ. Et pour les injustes, il n'y a aucun secoureur. Pas pour il n'y a aucun quelqu'un qui peut s'absoudre. Toujours encore, concernant gravité, sa titre qui appelle Shirk là,
Arrivé un dimon, il fait une jouer les courses, il fait une consomme l'intérêt, il fait une commettre l'adultère. Et arrivé, il n'y a pas de récit d'iman pardon avant qu'Allah tient son roi. C'est-à-dire, il n'y a pas de récit d'iman pardon. Consomme l'intérêt divin, l'adultère, etc. Qui peut arriver à ce dimon-là? Hein? Ça qui connaît? Qui arrive lui? Côté Allah Ta'ala. Un musulman, ça. Faux. Exactement, il faut rendre compte. Qui compte, il va le rendre? Allah Ta'ala, pour bien purifier lui de sa moquement, péché, erreur, faute, qu'il finit de commettre l'eau dunya là, c'est-à-dire qu'il consomme l'intérêt, il dit prend l'eau, il finit de commettre l'adultère, il finit de jouer les courses. Allah, pour le purifier lui, fait lui payer ce péché dans l'enfer. Après ça, qui est arrivé? Allah Ta'ala pour tirer lui de l'enfer, pour mettre lui dans le paradis, s'il y a un musulman. Qu'Allah Ta'ala dit dans Surah An-Nisa, Inna Allah la yaghfiru, Allah n'a pas pardonné, en yushraka bihi, en qui associe avec lui, fait shirk. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, et Allah Ta'ala pardonne les ressakina. Liman yasha, à celui qui lui voulait. Wa man yushrik billah, c'est lui qui associe avec Allah Ta'ala, faqad iftara ithman azima. Les filles commettent un énorme péché. Nous venons avec l'exemple qu'il nous donne. Dimon qui commet shirk le dunya, les pas réussi dimon pardon pour sa shirk qu'il finit commet là. Et l'imo qui arrivait, les rentre dans l'enfer éternellement. Ça se gravité. Peine à nettoyer après mettre dans le paradis non. Parce qu'il y fait une mort avec sa shirk là. Ça qui est dangereux. Qu'Allah protège nous, pas laisse nous à aucun moment commettre ça grand, énorme péché là qu'appelle shirk. Donc, nous avons une définition de shirk, chers frères et sœurs, c'est qui, littéral, il paraît un lit, associé avec un lot. Islamique, c'est qui, un kitsus qui nous associe avec Allah Ta'ala. En particulier dans ce l'unicité. Quand là, nous connaissons qu'Allah subhanahu wa ta'ala li en, du moment qu'il vous priez en l'autre apporte Allah subhanahu wa ta'ala ou associé ensemble avec Allah subhanahu wa ta'ala, là, il y a une shirk. Nous avons une gravité shirk. Là, nous avons un coup shirk en combien il est divisé. Shirk en combien il est divisé. Quelqu'un qui a dit? Hein? Faux. Bien bon. Shirk, nous, il divise en deux. Un appelle gros shirk, grand shirk, avec un petit. Nous guettons un coup, c'est quoi un grand shirk? Un grand shirk, il divise en trois, en conformité, ban partie de tawhid. Quand nous cause tawhid, il implique aussi trois petites choses. Tawhid al-Rububiyya, c'est-à-dire nous croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est unique en tant que Rab. Rab, un parmi les attributs qu'Allah a, veut dire un celui qui donne, qui donne une nécessité, qui provide quelque chose, appelle-le Rab. Donc nous croire dans Rububiyya qu'Allah seul qui donne tout cela. Deuxième type de tawhid, c'est tawhid uluhiyya, veut dire tawhid. Allah subhanahu wa ta'ala lui unique en tant qu'il est ilah, en tant qu'il y a un bon Dieu, lui tout seul, lui peine à ses enfants, lui peine à madame, lui peine à maman, non, qu'il est Allah ahad. Dis au Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qu'Allah lui en. Deuxième type de tawhid. Troisième type de tawhid, c'est ce qu'il nous appelle tawhid asma wa sifat. Tawhid ban nom qui Allah Ta'ala ina et wassifat, c'est ban qualité, attribut qui Allah subhanahu wa ta'ala ina. C'est-à-dire, Allah li unique dans ce ban nom et dans ce ban qualité. Un exemple pour comprendre qualité, nous guette l'exemple dans Surah Al-Fatiha, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le deuxième ayat, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Pena aucune créature qui possède sa qualité là.
excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Dimoun, il a pitié. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, ce pitié, l'infini. Insan, ce pitié, l'illimité. Donc, nous dit qu'il asma wa sifat, ben non, et ben non, Allah subhanahu wa ta'ala, ce nom, et ben qualité qu'il y en a, l'unique à lui seulement. Il n'y a aucune des autres créatures qui possèdent ça, quelque chose-là. Maintenant, nous dit qu'il grand chirque les divise en trois. Comment les divise en trois? Dans sa trois types de tawhid qui nous fait mentionner là, nous guettons l'exemple pour plus comprendre. Shirk dans l'unicité Allah subhanahu wa ta'ala en tant qu'Irab. C'est-à-dire, c'est quand une personne lui pensait qu'il y a une autre apporte Allah subhanahu wa ta'ala qui contrôle, qui n'a contrôle la création. Ksana ka donne l'exemple où vêtement mentionne Dimounla ce nom dans le Coran, Allah refait ça. Shirk dans l'unicité Allah subhanahu wa ta'ala en tant qu'il s'y déclare un Rab. Qu'est-ce Alhamdulillah. Et c'est vivant, ça veut dire, peut suivre. Pharaon. Qui dit ce dire? Hein? Masha'Allah. Allah augmente connaissance. Faqala ana rabbukumul a'la. Il est rempli en cruauté. Tout est d'immune, massacré d'immune, etc. Li pharaon, li déclaliem, li dire, ana rabbukum al-a'la. Moi, mozot bondier, mozot rab, c'est lui qui est plus haut exalté. Ça s'appelle un type de shirk. Quand dimoun li déclare, li pense qu'il n'a contrôle de la création, quand là, un seul bondier qui appelle Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'a contrôle de la création, quand il déclare ça, li pense qu'il n'a sa pouvoir là, il finit commettre shirk. C'est pharaon qui te dit, فقال انا ربكم الاعلى comme a mentionné dans sourate an-nazi'at. Deuxième type de tawhid qui nous dit c'est tawhid al-uluhiyya et c'est shirk dans l'unicité Allah subhanahu wa ta'ala en tant que c'est lui qui mérite ibadat. Nous connaissons très bien que Allah subhanahu wa ta'ala est tout seul qui mérite ibadat. Ou pas peut faire namaz la cause ou pas peut dire où faire. Ou pas peut accomplir salat la cause ou un musulman. Ou peut faire salat pour qu'il s'en a. Zis pour plaisir Allah subhanahu wa ta'ala. L'éla qui action là pour une valable. L'éla qui action là pour une poids. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans surah 6, ayat 162 et 163, Qul, ô Muhammad, dis à Bandimoun, Inna salati, certainement mon amaz, wa nusuki, et mon acte de dévotion, wa mahyaya, mon la vie, wa mamati, jusqu'à même mon amour, lillahi rabbil alamin. Pour qui s'en a ça? Mon amas qui m'offert, mon sacrifice qui m'offert, mon la vie qui m'offert vivre, jusqu'à même mon amour qui m'offert, tout cela appartenir à Allah subhanahu wa ta'ala, l'im rabban l'univers. La sharika la, peina aucun associé. Ali, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, wa bithalika umirtu wa ana awwalul muslimin, et c'est comme si qu'il m'a fait être ordonné et qui moi, mon premier qui a soumette à l'autre Allah subhanahu wa ta'ala. Rappelle-nous-mêmes, chers frères et sœurs, que tout ça, ibadat qui nous fait là, nous peut faire aller juste pour plaisir Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, deuxième type de shirk, qui est un dimon, li commet, quand nous peut dire gros shirk, c'est dans uluhiyya. Troisième catégorie qui nous dit tawhid, c'est tawhid al-asma wa sifat, c'est-à-dire nom et ban qualité qui Allah subhanahu wa ta'ala ina. Ça aussi, dimoun kouma li komet shirk là-dedans, c'est qui shirk de ban nom et ban qualité Allah subhanahu wa ta'ala, li pense qui ban qualité qui Allah subhanahu wa ta'ala ina, et na créature qui ina ça. Et na beaucoup ban secte, ban groupe qui pense qui zut amir ou bien zut chef. Je dis moun qui je te suive, il y en a même niveau qui Allah subhanahu wa ta'ala, li kon ban quelque chose qui Allah subhanahu wa ta'ala connaît, li etc. Ça, li finit faire shirk dans asma wa sifat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le hadith qui trouve dans Bukhari et dans Muslim, Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak, est-ce qu'il te peut associer un lot avec Allah subhanahu wa ta'ala et te connaît qu'il finit créer toi? Quand tu peux aller. Donc ça, trois types de tawhid qui nous connaît, tawhid al-ruboubiyya, tawhid al-uluhiyya, avec tawhid al-asma wa sifat,
grand shirk quand un démon lui pensait, comme on le finit en premier, qui lit et un autre qui contrôle la création, lui commet shirk. Olohia, un autre qui est un ilah, qui dit, lui aime déclare, lui connaît, lui aime déclare un bon Dieu, lui commet shirk. Troisième type, c'est qu'il y pensait qu'il y a une caractéristique qui Allah subhanahu wa ta'ala et n'a zis à Allah, il pensait l'ici et n'a. Ou bien il pensait n'importe qui les autres créatures et n'a l'ici, là, il finit commettre shirk. Ça, ban gros shirk. Nous arrête là. Qui est arrivé Saint-Dimoud, il fait ça ban gros shirk là? Qui est la loi? Arrivé Saint-Dimoud, il fait ban gros shirk. Il dit, man, apporte Allah subhanahu wa ta'ala, li prie, apporte Allah subhanahu wa ta'ala, li croit qu'il y a un dimoun, pareil comme Allah subhanahu wa ta'ala, et na connaissance, et na l'autre. Qui est arrivé s'il fait ça? Et les mots? Direct l'enfer, pas juste direct l'enfer, éternellement, il reste dans l'enfer. Si l'inmolo la lipanga est l'occasion pour diman pardon avec Allah subhanahu wa ta'ala, ce destination, l'enfer, éternellement. Wal'iyadu billah. Qu'Allah protège nous avec ça. C'est un gros shirk. Après que nous finissons shirk, définition littérale et dans le terme islamique, nous finissons gravité shirk, là nous finissons un shirk, PC shirk est divisé en deux, gros et petit. Dans gros, les formes. Dans les trois parties qui nous font dire de Tawhid, là. Tawhid Rububiya, Tawhid Uluhiya, Tawhid Asma wa Sifat. Si un démon lui prétend qu'il y a un lutte qui mérite l'adoration, un démon lui prétend qu'il y a un lutte qui est en contrôle de la création, un démon lui prétend qu'il y a un qui pareil comme Allah subhanahu wa ta'ala, dans caractéristiques, dans un nom, dans une qualité, il finit comme un shirk. Et ce conséquence, sur la loi, il peut être puni, éternellement, il pourrait être dans l'enfer, aussi longtemps qu'il n'y a pas un récit d'iman pardon avec Allah subhanahu wa ta'ala. Nous vivons le type de shirk. Mais, juste comme une summary pour plus comprendre, grand shirk, il est sorti dans l'islam. Grand shirk, quand un démon fait une comète, un gros shirk, il est sorti en dehors de l'islam. Il est comparé à type de shirk, il n'est pas fait, il est sorti en dehors de l'islam. Grand shirk, fait un dimoun reste dans l'enfer pour tous les temps. Comparé à Tipti, pas pour tous les temps. Et troisième petite chose, grand shirk lui annule toute action. Pendant 30 ou 40 bonnes années qui ont fait vivre la terre Allah Ta'ala, on fait salat, on garde rosa, on fait hajj, on fait zakat, dans le dernier moment, Allah fait un test avec eux. Vous pouvez demander, pas peureux ici. Un bail dit, vous connaissez Kabarastan là-bas, un darga qui va finir avancé. Mais essayez un coup, te demandez même, essayez un coup, tu ne pas connaître qu'à arriver. Effectivement, dimon là, fin tombe dans le pied shaitan, là, il a demandé avec création, Allah Ta'ala. Effectivement, il y a le bien. Ou bien ce problème, il ne solve. 40 bonnes années, bon qui de choses, tout ça là qui arrivait, il annule toute sa bonne action qu'il me fait là. S'il n'y a pas de récit, il demande pardon avant qu'il écoute la mort. Qui calte est dangereux, ça shirk là est dangereux. Qu'Allah Ta'ala protège nous contre ça. Et qu'il donne nous courage et patience pour qu'il ne nous pas tombe dans sa catégorie là. Inch'Allah. Donc, parmi ben l'exemple de petit shirk, il y en a assez beaucoup. Un point d'exemple qui est bien voyant, c'est Riya. Un mot arabe. Riya. Riya, c'est quoi? C'est-à-dire, un dimoun lui fait une bonne action pour gagner dunya ou bien pour montrer l'isier dimoun, pour dimoun guetté. L'exemple qui est très clair, nous comptons très bien parmi les dimoun qui pour questionner jour qiyama pour un jugement, un qari, un dimoun qui lit le Coran extra bien sur la voie, mashallah, Abdus Samad. Un dimoun comme un da'i, un qui peut faire causerie, et extra éloquent de sa bougla. Causer, il y a un talent là-dedans. Un autre lit, un mujahid, qui a la guerre dans le chemin Allah subhanahu wa ta'ala, tous les trois pour résoudre
pour traîner zot pas zot figure pour zot zot dans l'enfer. Eh bye. Un dimon qui lit le Coran pour zot pour risque pas sur figure pour vous êtes dans l'enfer. Un dimon qui fait causerie peut montrer bon kitcho puis expliquer pour risque vous êtes dans l'enfer. Un dimon qui lague dans chez Allah, soit la mort soit au vivre pour risque vous êtes dans l'enfer. Oui. Quand Allah vous pose une question, mais qui fait tête il lit le Coran? Il dit, mais Allah, pour faire ton plaisir. Allah, ta'ala vous allez non. Tu lis pour dire, Mashallah, Abdus Samad, Soudé, Sanalin, Nutala Shurim. À cause ça, tu lis. C'est ce qu'on appelle Ria. Fais une petite chose pour lire Dimoun. Le Tala qui vous dit, et tu causes, tu peux dire, Hadith, tu peux expliquer, tu peux laptop projecté, tout. Tu vas pas comme ça, tu peux faire. Pour Dimoun, dis-toi, c'est un grand raté, ça. Tu peux causer pour un éloge. Risli traîne dans l'enfer. L'autre là, tu peux laguer dans le chemin Allah. Qui faire? Tu peux laguer pour qui Dimoun, dis-toi, hé, ça est une belle écho, hein? C'est un seul coup de sable, mot. Pour tout Dimoun, cause te causer. Ça qui nous vient le ria. Ça s'appelle petit shirk. Ria, faire une petite chose, une bonne action pour les dimoun trouver, pour montrer les dimoun, ça n'est pas bon. Il est dangereux. Mais ça peut ser ria là, appelé un petit shirk, il n'est pas fait un dimoun sorti en dehors de l'islam. Mais il y a un problème. Si un coup l'infera, deux coups l'infera, trois coups l'infera, il persiste et continue à faire lui, ça dégré de ce shirk là, il est censé, il vient dans le degré. Qui degré? Personne? Hein? Faux. Lévin le gros shirk. Fait un coup, des coups de persister, continuer, montrer les yeux du monde, licencier avec continuité, avec persistance, Adam, Lévin gros shirk. Il est dangereux. Est-ce quand même, il compte comme ban kabahir, ban gros péché. Donc, il ne faudrait pas qu'il y ait un dimoun, il fait ça, un ibadat qu'il peut faire. Il n'y a pas de plaisir, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas de plaisir à Dimoun, pour que Dimoun cause ce causé, fait ce éloge, etc. Que Allah subhanahu wa ta'ala protège nous avec ce type-là. Et un hadith qui trouve dans Ahmad, Imam Ahmad, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. Quelque chose qui me plie pour les autres, c'est ce petit shirk. قالوا لابن صحابة في انتنسا زدي وما الشرك الأصغر؟ C'est quoi ça? Ce petit shirk. يا رسول الله أو مساجد الله. Le prophète صلى الله عليه وسلم dit الرياء. C'est faire quelque chose pour montrer les yeux du monde. Pour qui vous gagnez l'honneur avec Dimoun. Yaqoulullahu azza wa jalla lahum yawm al-qiyama. Ben Dimoun qui fait ça, c'est-à-dire faire la marche pour montrer les Dimoun, lire le Coran, joli avec un joli la voix pour montrer les Dimoun, faire causerie pour Dimoun, Dimoun, une grande personnalité, me connaît causer. Ça, ben Dimoun là, connaît qui peut arriver? Jour qiyama, Allah ta'ala pour dire à Zot. إذا جزي الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء الله تعالى بيجيك ما بيكوريك تشي بيغوت سا بان ديمون لا علي الگ بان ديمون لا جو قيام الگ دي جيجوت اسكي انا كيت ريكومبانس تبو دوني لو دنيا تتي في كوم سا تتي مونتر في تل عبادات تتي لي قران تتي في كوزري زيس بو ديمون كوز تو كوزي Algué t'es pas une petite chose aux autres pour gagner récompense? Hal tadidouna indahum al-jaza? Est-ce qu'il te bouge une petite récompense avec ça? Juste pour montrer nous la gravité et conséquences ria. Et un autre parmi ben l'exemple de type de shirk, c'est qui dimoun parfois lui dit. Il prend sur la main, il attrape le Coran, il dit « Kassam Coran ». Il y a le code Kaaba, il pose sur la main le Kaaba, il dit « Kassam Kaaba ». C'est ça, un arabe qui peut faire dans le passé. « Wal Kaaba », il prend serment le Kaaba,
il pose la, la tête sur maman, il dit, guettez-moi, pose-moi la main là, la tête de maman là. Ça, pas gain droit. Il y a même des petits shirk. Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, un sahabi, il dit, « La an ahalifa billahi kadiban. » Il dit, « Tu voudrais, bien, les plis bons qui m'ont fait serment, l'eau à la fosse-fosse, ahabbu ilayya min an ahalifa bi ghayrihi sadiqan. » Grave ça, écoute bien. Il dit, « Plis bon qui m'ont fait serment, l'eau à la subhanahu wa ta'ala, fosse-fosse, plis bon, me trouve ça plus bon à moi, qui m'a fait serment l'eau en l'autre apporte Allah Ta'ala, vrai, vrai. En d'autres mots, pour nous plus comprendre, nous pas gagner droit faire serment l'eau en l'autre apporte Allah Ta'ala. Dis tout. Ce gravité, il n'est pas bon. En dimoun, il ne faudrait pas qu'il y fait serment l'eau en l'autre apporte Allah Subhanahu wa Ta'ala. Comment nous faisons serment à Allah subhanahu wa ta'ala pour dire Wallahi, ou bien Tallahi, ou bien Billahi. Si nous avons fait serment au Kaaba, nous devons ajouter un bout de l'Oli. Rabbul Kaaba. Qu'est-ce qui fait créer ce Kaaba là? Il dit Rab. On va dire Warabbul Kaaba. Et pas celui qui fait créer Kaaba, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, petit shirk, un dimoun, il peut assister, ça amène vers gros shirk. Et il compte parmi les kabahir, les gros péchés. Comme ça même, un dimoun parfois lui dit, arrive une circonstance, il peut sortir, il peut aller, il ne te peut venir, il ne récite trap cela, mais il ne peut pas dire, il a un sens ça là. Ça va, il a un trap, il a un sens. Non, ne pas dire ça. On dit, Alhamdulillah, ensuite, pour l'autre, Allah, ça va, il a là, il ne trap toi. Directement nous dire grand merci Allah sabaïla là, non, ça n'est pas bon. La cause, ça nous servit le mot thumma. Nous dire, masha Allah, thumma, telle quelque chose. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, ensuite la cause est telle in aidée. Donc, ça va être quelque chose là qui dit, peut-être il ne prend pas conscience qu'il y amène vers un petit shirk, et petit shirk, il contient, il amène vers gros shirk, et gros, ça type petit chèque comme un livre gros chèque, il compte comme ban kabahir, ban gros péché. Donc, comme un summary pour comprendre, chers frères et sœurs, shirk, dans le terme islamique, c'est qui les associer avec Allah subhanahu wa ta'ala en l'autre. Dans trois petites choses. Soit dans l'adoration à Allah ta'ala, les prier Allah, les prier dimoun mo. Les prier Allah, les prier idole. Ça s'appelle un type de shirk. Deuxième type de shirk, c'est qui dans le boubiya. C'est qui les connaît qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'aime qui n'a contrôle de la création partout. Et les prétend qu'il y a une lutte qui n'a pareil comme Allah subhanahu wa ta'ala n'a contrôle. Troisième type qui nous guette, c'est qu'on appelle Asma wa Sifat, dans un nom et dans une qualité qu'Allah subhanahu wa ta'ala a, c'est qu'il dit qu'il soit Amir, ou bien soit Guru, ou bien un tel grand dimoun, il a même potentiel, même qualité, même caractéristique qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça appelle gros shirk, et se place éternellement dans l'enfer, il n'est pas pour ressortir là-dedans, parce qu'il n'est pas gagné l'occasion pour demander pardon avant qu'il goûte la mort. Quant à type shirk, Tichir nous dit l'exemple que nous finissons de donner qui est très voyant et très commun, c'est Ria. Faire une petite chose pour liser Dimoun, pour gagner l'honneur, pour gagner éloge avec Dimoun. Au lieu de côté là, il a besoin de faire une bonne action juste pour plaisir à Allah Ta'ala. Voilà le shirk, ce qu'il nous appelle concept, une notion en général, ça s'appelle shirk. Nous venons au deuxième partie qui nous est là, le kufr. Dans langue arabe, al-kufr veut dire sitr al-shay'i wa taghtiyatihi. Mon prend ça, mon couvert li, ensuite mon cachet li. Ça s'appelle kufr. Cachet en quelque chose, littéral, appelle kufr. Mais dans point, dans vue l'islam, quand nous pécons dans terminologie islam, il veut dire
un point Ibn savant qui donne sa définition là, Ibn Taymiyyah rahmahullah, il dit Admul iman billahi wa rasulihi sawa an kana ma'ahu takdhib aw lam yakun ma'ahu takdhib بل شك وريب أو إعراض عن الإيمان حسدا أو كبرا أو اتباعا لبعض الأهواء الصارفة عن اتباع الرسالة. Qui veut dire, simple ou comprend, dans TM, terminologie islamique, kufr veut dire rejet, croyance dans Allah Ta'ala. Rejet, croyance dans Allah Subhanahu wa Ta'ala, dans ce messager. Qu'il y soit, écoute bien, il y a un peu de longue définition là, qu'il y soit pas démenti ou gagne doute dans Zot, c'est-à-dire ou gagne doute dans parole Allah, ou démenti parole Allah, ou gagne doute dans parole le prophète, ou démenti le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sur parole, ou bien ou confronte Zot, ou confronte Allah avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'il y soit pas jalousie, ou pas l'arrogance, ou pas suivre nos shahwa, nos désirs, nos passions. Une longue définition. Je donne un exemple pour bien comprendre. Kufr, il est capable de venir par parole ou action, ou les deux. Et il retire un dimoun, il retire un dimoun depuis l'islam pour annuler son iman. Kufr, on aurait dit la définition là, pas croire dans Allah, pas croire dans le prophète. Comment il pas croire dans Allah et dans le prophète? Soit pour les causes menties, il démentit parole là, il démentit Allah, il démentit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien il a un doute de parole Allah, il a un doute de parole le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien il confronte par jalousie, ou bien par l'arrogance, ou par suivre passion. Et ça, Koufra, il est capable de venir par parole ou action qu'Endimoun fait, ou bien les deux. Et ça, quand Endimoun fait, il tient ça, Dimoun là, depuis l'islam, pour annuler ce iman. Nous pouvons être l'exemple, une variété de bonne qualité Koufra Nouena, qui peut-être, première fois, on peut tendre. Alhamdulillah, qu'Allah augmente connaissance. Et pour ban qui les a connus, les vins une sorte de révision. Dans qualité kufr, nous te dis, bonnet, dans shirk, combien qualité shirk nous a? Shirk est divisé en deux, gros et petit. Maintenant, nous sommes dans kufr. Dans kufr aussi, pareil, nous avons gros kufr avec petit kufr. Gros kufr avec petit. Parmi les kufr qui enlève l'iman et l'imoun et retire dans l'islam, parmi les kufr qui enlève l'iman dans l'imoun et retire dans l'islam, c'est numéro 1 parmi nous a kufrul i'nad. C'est quoi ça, kufrul i'nad? C'est l'imoun qui connaît la vérité. Elle y admet qu'il connaît la vérité avec sous la bouche, mais sous en dedans, il n'est pas accepté. Trop beaucoup, il a. Il connaît qu'il là-bas, les sunnas, parole prophète, ça. Mais c'est le ma. Il connaît, il dit oui, sunna, ça me connaît, me connaît. Mais en dedans, il est, qui a fait. Il n'est pas percepté, il s'appelle manzi en dedans. Et qui Allah subhanahu wa ta'ala dit, pour ban qui comme ça, dans surah Qaf, surah 50, ayat 24, Allah Ta'ala dit Al-qiya fi jahannama kulla kaffarin anid. Allah Subhanahu wa Ta'ala dit Zed dans l'enfer, ban mécréant, enduéci et rebelle. Zed dans l'enfer. Un type de kufr, c'est qui? On appelle kufrul i'nad. Mais dit un dimon li kon la vérité, li admet qu'il li kon la vérité. Avec cela bouche, mais c'est le masseau en dedans, il n'a pas accepté. Deuxième type de kufr, on appelle kufrun inkar. Peut-être mot ourdou ici, mais quoi? Inkar veut dire? Inkar veut dire?
Faux. Résister. Bien, bon, alhamdoulilah. C'est lui qui nie. Qui veut dire kofrun l'inkar? Veut dire c'est lui qui nie, pas accepter les résister avec ce labous et ce l'équerre. C'est lui qui n'a pas accepté avec ce labous et ce l'équerre. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah 16, ayat 83. Ya'arifuna ni'mat Allah. Banna, je te connais. Faveur qui Allah Ta'ala fin fait à Zot. Je connais. Thumma, ensuite qui arrivait? Yankirunaha. Je te nie li. Je te pas accepte li. Je te résette. Sa faveur qui Allah fait à Zot là. Et qui Allah dit, wa aktharuhumul kafirun. Et la plupart dans sa bandimoun qui comme ça là, je te ban kafir. Wa aktharuhumul kafirun. Et c'est que t'en sais de nos jours, qui quantité, qui chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala lit à côté faveur, mais hein, comme si dirait la bouche avec l'équerre, pas qu'à ça, t'es avec ça. Il est grave. Appelle-le kufrul inkar. Kufrul inkar. Troisième type de kufr, c'est qu'il appelle kufrul kibr. Il est sorti dans le mot istikbar. C'est un cas, dis-moi, qui c'est un cas qui fait ça? C'est qui connaît le Coran pour qu'on lit. Istakbara. Hein? Masha'Allah. Alhamdulillah. Qu'Allah augmente connaissance. Exactement. Dans Surah Baqara, ayat 34, quand Allah subhanahu wa ta'ala fait connaître. Illa Iblis aba wa istakbara wa kana minal kafirin. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, après qu'il ait créé Adam alayhi salam, lui donne l'ode à un ange et qu'Iblis pour faire sijda. Iblis qui fait Abba. Pas accepter, les résetter. Ou stakbara. Qui veut dire stakbara? Lui résette ça par l'arrogance et l'orgueil qui est dans lui. Ça s'appelle lui kufrul kibr. Il a l'orgueil dans lui. Il a l'arrogance dans lui. Il n'a pas accepté vérité ou bien l'autre qu'Allah Ta'ala fin d'y aller. Et quatrième type de kufr qui nous est là, on appelle le kufr al-juhud. C'est qui ça, kufr al-juhud? C'est un qui se l'équerre inaccepté, mais il ne résette pas sur la bouche. Il accepte une petite chose à travers ce l'équerre, mais il ne résette pas sur la bouche. L'exemple, une personne qui dit qu'il y a un musulman, mais il n'a pas accepté qu'il y ait obligé d'un zakat. Comment dans l'époque, qui s'en a? Après la mort du prophète, ça? Faux. Masha'Allah, alhamdulillah. Abu Bakr Siddiq, radiyallahu anhu, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fini allait, et il y a certains bandits qui étaient musulmans, il dit non, mais le prophète il allait, mais qui fait besoin de continuer à appliquer zakat? Le petit refuse pour payer zakat. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah Baqara, فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ. Et l'autre place encore, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah Baqara encore, وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ. Et il y a parmi un groupe, parmi eux, لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ. Je te cassette la vérité, وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Et je te reconnais qui, ça c'est vérité, c'est ma cassette. Appelle ça Kofrul Juhud. Numéro 5, Kofrul Nifaq veut dire l'hypocrisie. Et dans Surah Baqara, toujours Allah refait à Zot, Wa minan nasi man yaqulu, Wa iban dimun ki bou dire, Amanna, Wa min iman, Nous amen iman, Billahi, dans Allah, Wal yawmil akhir, dans dernier jour, Wa ma hum bi mu'minin. Et sa bande qui veut dire là, je ne suis pas mu'min, je ne suis pas musulman. Dit avec la bouche comme si l'hypocrisie. Dit quelque chose, oui, moi, je suis dans la, moi, je suis dans le jour du jugement dernier, mais seulement, je ne suis pas bon musulman. L'autre place encore, Allah dit dans Surah 4, ayat 145, Inna al-munafiqina fi d-darki l-asfali minan nar. Ban munafiq, hypocrite, je suis fi d-darki l-asfal, pli bakina. Dans l'enfer. Pareil que nous avons dans le paradis, il y a un meilleur grade qui monte, dans l'enfer, nous avons un grade qui descend, qui dégrade. Il y a un monafique pour plier en bas qui est dans l'enfer. Qu'Allah protège nous.
Sixième type de kufr, c'est kufrul istihal. C'est quoi ça? Kufrul istihal veut dire faire ce qui est haram vin halal. Un démon qui fait quelque chose qui est haram, il dit non, halal ça. Avec ça, kufrul istihal. Un autre type encore de kufr qui est non, c'est kufrul kufr. Détester en la loi Allah. T'as bien? Détester en la loi Allah subhanahu wa ta'ala. Dans surah 47, surah Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah 8 et surah 9, وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est parce qu'ils ont fini repulsés avec ce qui Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre comme la loi aux autres. Allah fin fait la loi fin de nous fin dire ça halal ça haram. Je ne pas prendre ça compte, je tourne les deux, je déteste qu'Allah ta'ala fait fa ahbata a'malahum. Et les fin faire je ban travail, je ban action que je fais dans vie. Mais donc en valeur. Le type de kufr qui nous a, nous appelons kufrul istihza. C'est faire bouffon avec la loi Allah subhanahu wa ta'ala. Faire bouffon avec Allah subhanahu wa ta'ala sur la loi. Dans surah 9, Allah subhanahu wa ta'ala dit: "Wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudu wa nal'abu." Les poudimans, je t'avais, qui problème? Qui fait je peux faire comme ça? Je peux dire, la yaquluna. Je peux répondre, innama kunna nakhudu. Vraiment, nous, tu peux faire ça pour bavarder. Nous peux, comment nous dire, pétier l'air, peut mettre joke. Nous pouvons faire ça comme ça. Au din Allah, au la loi Allah, tu peux prendre plaisir. Qu'Allah dit, Qul, et Muhammad dit aux autres, Abillahi, wa ayatihi, wa rasulihi, kuntum tastazi'un. Est-ce qui, avec Allah Ta'ala, et ce ban signe, ce ban ayat de Coran, wa rasulihi, et ce messager, kuntum tastazi'un, je peux faire moquerie, je peux faire istihza. Allah Ta'ala dit, La ta'tadhiru, pena excuse, qad kafartum ba'da imanikum. Je te fin faire bel et bien rejeter la foi après qu'ils ont amené iman. Et quelque chose qui est très courant de nos jours, comme on le trouve par Alex là-bas, et ta Ben Laden, là-bas, sunna. C'est l'eau d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'eau de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Vous trouvez un dimon, il peut mettre hijab, il peut mettre burqa, il peut mettre parda, ou il a tout fait pour venir nommer avec un film qui est un ninja, ou peut faire stéza. Quand un dimon peut mettre un sunna, un l'eau d'Allah subhanahu wa ta'ala en pratique de sur la vie, vous faites moquerie avec ça quand moi, je fais ça, il est dangereux. Et dernier type de kufr, on appelle kufrul istibdal. C'est-à-dire, remplace la loi Allah subhanahu wa ta'ala par une autre la loi. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah 16, ayat 116, وَتَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبُ هَذَا حَلَالُ وَهَذَا حَرَامُ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala et dire, et pas dire conformément ben mensonges qu'ils ont fait faner pas juste la langue sali halal le tali haram et pas sans ben quelque chose ben mensonges contre Dieu contre Allah subhanahu wa ta'ala connaît je paie sans sa ben mensonge là contre Dieu je n'ai pas pour réussir pour faire sa ben quelque chose là ça dans sur la 16 ayat 116. Donc nous disons chers frères et sœurs qu'il y en a 9 type de kufr qui saban kufra qui lui fait un dimon ça pour nous casser sommeil hein faux bien bon alhamdulillah il fait un dimon là perdit iman après il se perdit iman il t'y allait en déo l'islam en c'est kufr l'i'nad. C'est-à-dire, il connaît la vérité, il admet qu'il connaît la vérité, sur la bouche, mais sur un dent, il n'est pas accepté.
deuxième type qui nous fait dire, c'est kufrun inkar, c'est qui les nie, les pas accepter avec cela bouche et que cela qu'est. Troisième type de kufr qui nous fait dire, c'est même Iblis qui fait faire l'itin à l'orgueil dans lui, l'arrogance. Quatrième kufr qui nous fait dire, c'est kufr al-juhud, c'est un léquer qui n'accepte, un qui se léquer accepter mais il réside pas sur la bouche. Pareil que Maban qui ne refuse pays zakat. Cinquième type de kufr qui nous fait dire, c'est l'hypocrisie. Sixième type de kufr qui nous dit, c'est istihal, lui fait quelque chose haram vin halal. Septième kufr qui nous fait dire, concernant kufr al-kufr, détester en la loi Allah subhanahu wa ta'ala. Et huitième kufr qui nous fait dire, kufr al-istihza, faire moquerie, faire bouffon avec la loi Allah subhanahu wa ta'ala. Et dernier kufr qui nous fait dire, remplace la loi Allah subhanahu wa ta'ala par l'autre, la loi, comme a mentionné aussi dans surah 42, surah Shu'ara et ayat 8. Quant à un petit kufr, nous avons un gros kufr et fait un dimoun, perdit son iman, il sorti en dehors de l'islam. Quand un petit kufr, il n'est pas dimoun là depuis l'islam. C'est un kufr et par action, et c'est une action qui mentionne dans le Coran et Hadith sous un thème de kufr qui, l'exemple de Hadith, maltraite un musulman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait une service à thème là comme un kufr. Un hadith rapporté d'Abu Bukhari et de Muslim, Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il dit Sibabu al-Muslim fusuqun wa qitaluhu kufr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut expliquer le maltraite un dimoun, il peut dire que ça amène vers une façon connue comme kufr. Et l'autre type de kufr encore, mais seulement, nous appelons le petit kufr, c'est qu'il y a un dimoun qui pleurait dans ma yat, qui pleurait faux dans ma yat. Ça, c'est une coutume, pratique de Banjahiliya. Un hadith qui trouve d'un musulman, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Thintani fi ummati huma bihum kufr. Il dit deux dans mon ummat qui en a kufr dans eux. At-ta'nu fi nasab, qui donne malédiction, eux ban enfants, eux ban descendants. Wa niyahatu an al-mayyit, qui pleurait faux. Vous trouvez que vous êtes comme un maillot, vous êtes perdu patience là, vous êtes attrapé, vous êtes linge, vous êtes rissé, vous êtes crié, pleuré. Sabanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam considère sa action qu'il avait fait là comme kufr. Et de l'autre côté, il y a aussi un kufr encore quand nous nions kufr qui Allah subhanahu wa ta'ala, à cause de faveur au dimoun, ne pas reconnaître sa faveur là, ça aussi nous considère comme petit kufr. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah Baqara, فَذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. Pense-moi, mon pense-autre, et remercie-moi, et n'a pas fait kufr, وَلَا تَكْفُرُونَ. Donc, chers frères et sœurs, voilà un petit guide en général concernant ça, des thèmes qui nous ont causé le shirk et le kufr. Pour nous terminer, juste pour nous casser sommeil, nous venons depuis le shirk. Shirk, il veut dire, dans la terminologie d'islam, associer une lutte avec Allah subhanahu wa ta'ala dans trois petites choses. Un étudier dans le tawhid, qu'à sommeil. Bien bon, faux. Bagbancheuse. Rububiya. Tawhid, uluhiya. Et tawhid, asma wa sifat. Un rububiya, le rab. Uluhiya, qui Allah subhanahu wa ta'ala, l'unique de son ilah. Asma wa sifat, ben nom et ben qualité qui Allah subhanahu wa ta'ala. Nous disons que shirk les divise en deux. Gros shirk avec petit shirk. Gros shirk, si dit mouna, pan récit, diman pardon, côte se demeure, côte se destination, l'enfer. Et les bourrés sortis? Non, éternellement. Ben petit shirk, l'exemple qui nous donnait très voyant, très commun, c'est Ria. Qui veut dire Ria? Faire une action, une bonne action pour disier Dimoun, pour que Dimoun fait éloge, pour que Dimoun cause nous causer. Côté là, nous avons besoin de ça, plaisir là, depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, nous avons un petit shirk, gros shirk. Et petit shirk là, si Dimoun là, il peut assister, continuer, ça capable d'arriver à un niveau, gros shirk. Et il compte parmi les kabaïr. Okay? Nous venons le kufr. Nous avons dit, kufr nous donne l'exemple. Kufr littéralement veut dire cacher une petite chose. Cacher une petite chose, il n'y a pas pareil. Dans le terme islamique terminologie, nous disons
un démon qui cassait une quelque chose. En d'autres mots, il réside croyance. Hein, ça nous rappelle. Il réside croyance dans Allah, dans le ce prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'il y soit, il démentit Allah, il démentit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien il y a doute le Allah subhanahu wa ta'ala sur l'aude, sur parole. Il y a doute le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur parole. Ou il confronte Allah avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il soit par jalousie, maladie qu'il y en a dans lui, ou bien par son arrogance, ou par suivre sa passion. Ça, dans la thème islamique terminologie, et nous dit encore qu'il couvre les capables dans parole, comme il est capable dans action ici, et tous les dés, qu'il soit dans parole ou qu'il soit en action, il retire un dimoun depuis l'islam et il annule ce iman. Et nous disons, dans le coffre, il y en a deux qualités. Un gros coffre avec un petit coffre. Parmi les gros coffres qui nous font donner, et une série, l'exemple qui nous font donner, le grand coffre, il y en a environ 9. Dis-moi un seul là-dedans pour nous guetter l'espace de tine récit capté. C'est qui est plus facile. Imagine ça, démon qui agace nous là, l'ennemi déclaré là. Qui t'y fait? Qui t'y en a dans lui? L'arrogance. L'orgueil, mais nous dire ce l'orgueil est faux ça. Ce l'orgueil est faux. Il peut accepter l'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin de lui. Donc, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il y ait de nous. Parmi ce concept qui, alhamdoulilah, nous peut apprendre, ça fait troisième session qu'il nous peut faire, et puis nous encore pour venir, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, après qu'il nous connaît ce qu'il chose là, comment nous dire en anglais, il safeguard nous iman, pour ne pas laisser nous tomber dans sa gros PC qu'appelle shirk là, ni dans le coffre. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans aucun moment, pas laisse-nous déraper, pas laisse-nous perdre patience pour un dimoun, lui perdre sa iman qui vrai là, lui perdre sa destination éternellement dans le paradis là, il tombe dans le pied de Shaitan, puis il commette une petite chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala, pas content, et sa gravité, lui bien pas bon. Inna shirka la zulmun azim, certainement shirk, lui un grand péché, azim. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala doit qu'il y ait de nous pour faire nous comprendre ça, shirk et kufr bien là, qu'il y ait de nous pour mettre ça en pratique, qu'il y ait de nous pour porter à sa connaissance là, aban qui pas réussi atteindre les sons là, et qu'il y ait de nous pour rester tout le temps avec iman, comment nous finir, nous grandir et nous mourir dans iman aussi, inshallah. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.